La chronique sport, comme tous les lundis, Anthony, une demi-heure à présent consacrée uniquement au sport. Oui, tout à fait. Nous en rejoint sur ce plateau les organisateurs de la course au Castor. Mais avant d'en parler avec vous de cette course d'orientation qui aura lieu ce week-end, on va d'abord partir en mer, hein, comme je le disais en sommaire d'émission, avec le Vendée Globe qui a largué les amarres ce week-end des Sables d'Olonne. Les 19 participants donc sont partis et parmi les navigateurs, il y a un Versaillais. Il s'agit de Tanguy Delamotte. Il concourt pour Initiative Cœur, une association qui soutient mécénat chirurgie cardiaque, donc une noble cause. Et vous découvrez à l'instant les toutes premières images de sa navigation. C'est son premier Vendée Globe à 34 ans et pour l'instant, il pointe à la 16e place. Pour la petite histoire, tout va bien. Tanguy Delamotte reste prudent dans la navigation. Et il a fait son premier repas hier soir. Je vais vous faire saliver, Wilfried. Ah oui. Il a mangé une soupe au potimarron. Eh bien, la vie est belle. Voilà, il faisait beau en mer et en plus, une petite soupe au potimarron. Formidable. Et nous l'aurons par téléphone la semaine prochaine dans la chronique sport. Et on fera un point sur le sport, hein, sur ses résultats et sur cette compétition. C'est bien de savoir ce qu'il mange, mais c'est bien de savoir aussi comment ça se passe pour lui côté compétition.